Bonjour les amis, comment allez-vous? Vous allez bien? Moi ça va. Aujourd'hui, je suis coiffée, on dirait Jeanne d'Arc. Qu'est-ce qui se passe? Faut que je fasse recouper la suie, chérie, il veut pas me donner deux coups de ciseaux là. J'ai payé 30 euros pour faire couper les cheveux. M'énerve! Bon, mais ça, j'arrive plus rien à en faire. Voilà. Bon, on est là pour les produits terminés. Oui, j'avais envie de vous parler, je ne savais pas quoi faire comme vidéo. Et comme j'ai quelques produits terminés déjà qui s'entassent, alors il y a énormément d'échantillons. Je déteste quand en vidéo on montre les échantillons, mais c'est exactement ce que je vais faire. Parce que j'en ai utilisé énormément. Je n'avais pas le choix. Voilà. Bon, d'abord on commence pas par ça. Pour commencer, je vais vous montrer un pot de crème de chez Garnier Miracle Wake Up Crème, anti-âge défatigant, effet défroissant immédiat. Bonne crème, pas chère du tout, que j'avais acheté longtemps, que j'ai gardée parce que j'avais eu d'autres cadeaux entre-temps qui étaient de meilleure qualité, donc celui-là j'avais gardé pour les jours de galère. Et donc je l'ai utilisée. Alors son seul problème, c'est, par contre elle sent super bon. Comme pour nous. J'ai perdu le couvercle bien entendu. Vous voyez, il est bien vide, hein. On voit pas bien en même temps parce qu'il est blanc. Son seul truc, c'était qu'elle était un peu épaisse. Je ramasserai le couvercle après, sinon je vais tout faire barulher. Vous êtes calé sous mon genou. Oui, son seul truc, c'était qu'elle était un peu épaisse. Alors j'en mettais très peu. Je mettais un sérum ou autre chose avant. J'en mettais très peu, que j'étalais avec la peau déjà humide. Parce que la crème pénètre mieux. Les crèmes très épaisses, je vous conseille de faire ça pour vos visages. À moins que vous ayez une peau très sèche, ce qui n'est pas du tout mon cas. À savoir que la nature, j'ai juste du rouge à lèvres. Je suis presque dans l'état d'hier soir, après ma vidéo démaquillage. Nature, c'est dimanche, et puis on s'en fout de toute façon. Moi, chez moi, c'est nature. Ouais, j'ai envie de prendre aujourd'hui la crème du Sud. Parce que j'ai envie de soleil, j'en rêve, j'en meurs. Là, un gel douche. Gel douche, parfum rose de la Vallée des Roses. De chez DMP en Provence, qui m'avait. Peut-être que celui-là j'ai acheté, en tout cas j'en avais reçu, et puis ils le font chez Auchan, et j'aime beaucoup, j'aime bien. Ça sent la rose, mais sans trop. Ça sent bon, c'est très agréable, ça mousse bien. Mais c'est pas aussi terrible que celui que j'ai acheté. Attention, le bruit, ça va être la poubelle, hein? Voilà. Ben lui, je peux le jeter en vrai. Oui, j'ai acheté. Pardon, j'en achète jamais d'habitude. C'est Tahiti ou Ushuaïa? Je ne sais plus l'un des deux. J'ai déjà oublié. Mais alors, odeur hammam. Mais c'est une. L'odeur est sublime. Oh, Seigneur Dieu Marie-Joseph. J'en avais marre de prendre des petits prix. J'ai dit, tiens, bon, 2 euros et des brouettes, c'est pas non plus la fin du monde. Moi, en général, je les prends à moins d'un euro. Donc pour moi, c'est un gros achat. Mais le bonheur avec la fleur de douche. Ah! Oh. Ça fait plein de mousse. Moi, j'ai l'impression que quand il y a de la mousse, je me lave mieux. Complètement psychologique. Hein. Ça n'a rien à voir. L'eau lave, vous savez ça? On peut aussi se laver à l'eau. Ben oui. Au niveau d'heure, par contre, je sais pas. Bon, en même temps, je ne peux pas. Enfin, voilà quoi. Je pense que si je me lave pas pendant 8 jours, je pense que peut-être je pourrais. Tiens, regardez si on voit ma tache. J'ai rien sur la peau. Même pas. Moi, je le sais. Mais bon, elle a un peu disparu. Je sais pas, c'est très bizarre. J'ai pas bien compris. Enfin, on s'en fout. Là, n'est pas le sujet. Ensuite, nous avons un déodorant anti-trace blanche, 24 heures d'efficacité. Bon, ben lui, il fait que 24. Il y en a qui font 48 et 72, hein. De chez Casino. Odeur, je m'en souviens plus. Je m'en souviens plus. Bon, qui chez moi ne fait strictement. Et le mouchoir est par terre. Attendez. Il est gonflé. Comme si j'avais besoin de ça. Il sent plus rien. De toute façon, il n'a pas senti beaucoup. En fait, il a senti les fleurs, mais bon, en déodorant, rien. Donc moi, de toute façon, je ne suis adepte que du Dove. Dove ou Dove? Dove, qui lui est vraiment anti-transpirant, anti-odeur. Ah ouais, il est fabuleux. Bref, celui-ci, j'avais pris, parce que j'étais chez Casino, j'avais envie d'un pchit pour l'été. C'était pour l'été, ça. D'accord?
Il a terminé dans les toilettes. Moi, c'est comme ça que je finis mes déodorants qui ne me plaisent pas. Sauf les billes, évidemment. Pardon, j'ai l'image là. J'efface. Donc, tous les déos comme ça en pchit, je les termine dans les toilettes. Ou dans la maison quand je viens de faire ménage pour que ça sente encore plus mieux bon, de frais. Donc, non, je ne rachèterai pas du tout. Oui, je ramasserai après les bouchons. Il y en aura partout. J'espère que ça ne va pas passer sous le canapé en revanche. Hein. Sous le canapé, il y a un tas de trucs qui passent. Je ne le vois pas d'ailleurs. Hein. Ici, je jette un crayon à lèvres, très très vieux, de chez Yes. Pas qui tu sais. Il était bien, il était rose, la couleur là, donc bien. Mais, alors, il ne se taille plus par là où on taille normalement. Oui, c'est crayon à l'ancienne, je ne sais plus ce crayon à l'ancienne. Donc du coup, je me dis, tiens, je vais l'attaquer par le bout. Et dire un gros mot. Eh bien, vous voyez, j'arrive pas non plus. Donc, qu'est-ce que j'ai ça? Je peux rien en faire. Je le jette à mon grand désespoir, j'ai très peu de crayons à lèvres. En même temps, bon, on s'en fout. Donc, je le jette. Mais j'ai tout essayé. Les gros embouts, les petits embouts pour tailler. À l'ancienne, le couteau, rien n'y fait, bah, ça coûte. Mais il est très, 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 très vieux. Je jette. Un bain dissolvant de la marque Cosnard, donc la marque Auchan, qui est très très bien. Mais bon, moi comme je mets souvent du foncé, voilà, c'est du nude, on va dire. Au bout d'un moment, il n'est plus utilisable. Et puis il enlève rien pendant une demi-heure, ça n'a aucun intérêt. Mais moi, oui, j'aime beaucoup les bains dissolvants. Or, ça m'abîme les cuticules et j'ai les cuticules très très sèches. Mais je m'acharne, je continue avec ça. J'en ai racheté un, pas de cette marque, je ne l'ai pas trouvé, ou pour un autre, je ne sais plus quel, mais ça va tellement vite. Mais ça va tellement vite, moi qui ai beaucoup de choses à faire. Je me marre. Mais oui, je le rachèterai si je trouve la marque. C'est une marque Carrefour, n'importe quoi, Auchan. Donc pas sûr que vous le trouviez ailleurs, vous ne le trouverez pas ailleurs. C'est la marque Cosmia qui fait de tout, de tout, de tout, même le maquillage, me semble-t-il. Je me suis pas encore penchée sur l'affaire parce que j'ai plein de rien. Ouh, j'ai poche les yeux. Enfin, la peau là. Oh là. Mal entretenue, mamie. Oui, je sais. Faire un clin d'œil à Chris Zen. Zen, je sais plus quoi. Chris, quoi, Chris, ma galinette. Je sais, quand je dis oh, je suis vieille, 54 ans, elle me dit ouais, c'est sympa, moi j'ai le même âge. C'est très agréable, mais je plaisante. Tiens, encore un dissolvant que je finis par jeter parce que voilà ce que j'avais gardé. Vous voyez, la couleur du dissolvant, qui à l'origine est rose pâle, hein, c'était un dissolvant Yves Rocher, efficacité, douceur, j'ai pas aimé. Il faut s'acharner, passer 12 cotons. L'intérêt, c'est quoi? Bonjour la planète, plein de coton. Je déteste en plus utiliser du coton. Vous avez vu hier, j'utilise un coton pour mes yeux, pour mes deux yeux, c'est tout. Le reste, je fais tout à la main, tout à la mémine. Yeah. Donc, non, je ne rachèterai pas. En plus, le Roger, j'aime pas. Je sais pas pourquoi. D'ailleurs, quand que j'aime, parce que j'ai un bon pour avoir des points. Moi, les points m'intéressent. Encore, oui, encore. Mais je me fais les ongles au moins minimum deux fois par semaine, voire trois. Donc, encore un bain douche, bien sûr. Un bain dissolvant. Celui-là, il est chez Maybelline Express Remover. Il était très bien, il était beaucoup plus cher. Rachèterai, j'en trouve pas d'autres, oui. C'est peut-être d'ailleurs celui-là que j'ai encore, je ne sais pas. Oui, oui, je rachèterai un bain dissolvant, le moins cher possible. Vous me connaissez, ici, c'est la chaîne de la misère. Oh, je suis pas à plaindre, non, je sais. Alors, j'ai fini, à mon grand désespoir, mon sérum liftant merveillant de chez Nuxe Extra. Il est génial. Il a un flacon pompe. Un flacon pompe. Pompe, 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 là. Pompe, 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 là. Le problème, c'est qu'on ne sait pas quand il est fini. Parce que il est mat. Il n'est pas transparent, donc on ne sait pas. Tout d'un coup, on se dit, oh tiens, j'en ai plus. Mais merde, alors. Ben tant pis. Je m'en passerai. Enfin, ma peau, ça me passera. J'en passerai bien. Rachèterai? Oui. Un peu cher. Je me rappelle plus. Enfin, un peu cher moi, selon des sévices fait. Oh là, 5 euros, c'est trop cher. Mais il serait très bien.
Je voudrais permettre donc le Nux Merveillance Expert Sérum. Sérum Lifton pour les rides installées. J'en ai pas de rides. Parfait là, sur lesquelles donc j'insiste, mais elles insistent, elles s'incrustent. Après, je ris tout le temps la gueule parce que mes rides ici elles descendent. Si je souris tout le temps, normalement elles sont censées monter. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Bref, donc il est comble, raffermi et retent. Moi je voulais pour comble, raffermi et retent. Moi j'ai la peau qui part en et rien en avion. On dit chez moi, je dis par avion. Non. Ensuite, nous avons toujours un produit de chez DMP, donc au champ, offert celui-là par une amie. Le monde de la Provence. Mais excusez-moi si là je prends l'accent. Il est un peu nul mon accent. Hein, Chris, mais tant pis. On fait qu'est-ce qu'on peut et qu'est-ce qu'on a. Moi, j'ai goûtonné. Crème main à l'argan bio, à la rose. Comment je peux dire ça? Moyen. Je ne rachèterai pas. Bon, il n'est pas cher à Auchan. Mais je ne rachèterai pas parce qu'il n'est pas super hydratant. Alors, pour les mains comme moi qui ont juste besoin d'hydratation, de confort, on va dire, ça va. Mais pour les mains desséchées, ça va pas. En même temps, j'en sais rien puisqu'elles ne le sont pas. Donc, un peu logique, Florence. Mais je ne rachèterai pas. Enfin, à l'occasion, si j'ai plus rien, mais je cesse autre chose, le Leno, qui est très bien. Donc ça, non, je ne rachèterai pas. Là, c'est vraiment juste pour l'entretien, vous voyez. Parce qu'on a envie de se passer les mains. Alors là, on arrive au bordel. Excusez-moi, tiens, ce matin, regardez ce que j'ai fait. Ah, au milieu, il y a un échantillon. On va le zapper, lui. Allez, oui, avec ma main gauche, galère. J'ai cassé un collier. Et voilà. Et il est un... Ne me dites pas, il est récupérable. Comment voulez-vous? Ce sont des perles plates. Voilà, j'ai lâché, ma main gauche a lâché. J'en ai marre de ce corps qui lâche, j'en peux plus. Mais je vais en garde le moral. Oui, ce sont des perles plates. Vous voyez, comme ceci. Donc c'est un joli collier qui plaquait bien. Il est très 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 vieux, je ne sais même pas. Je l'ai retrouvé ce matin et le fil tellement vieux, il a pété. Un fil en plastique. Donc, vous voyez, il faudrait que je renfile un fil. Ouais, je renfile un fil, bien sûr. Je remets un fil interne aussi, mini trou, plat. C'est-à-dire que c'est totalement impossible. Donc je jette, oui. Je sais. Oh, bah écoute. Attendez. Oh là, j'aurais tout poussé. Tout va se péter la tronche. Je vais ramasser tout ce qui traîne par terre. C'est ça quand on a des gros seins, ça gêne. Je crois mourir. Donc ça c'est des... J'ai pris une crampe. Je jette. Forcément il est fini. Un échantillon. C'est quand j'avais plus rien. Et là, j'ai réinvesti entre guillemets dans une autre crème. Mais il n'y avait plus rien. Donc j'ai vidé mes échantillons. C'est vous dire. S'il me reste un ou deux, mais je crois que ce sont des masques. Donc je vais faire des masques le matin et le soir. Là, hein. C'est idiot. Pour utiliser des échantillons, pour utiliser de con. Vous avez vu une petite mèche que... Oh, il évite le couillon. Ah bah non, il va me faire le coup du bouchon, lui. Donc on s'en fout. C'était, j'y vois rien, bah oui. Une crème lissante Physiolift jour. Moi ça m'est égal. Peau sèche, or c'est pas mon cas, mais enfin, je l'ai utilisé quand même. De chez Aven. Oui, j'ai bien aimé. J'aime bien les produits Aven. Je pense que vous verrez rien vu que c'est sur un échantillon. Prenez une loupe, les doudous. Faites. Il est très très bien. Bon, en même temps, comment peut-on juger? Bon, oui, on a l'impression qu'en bas il y en reste. Je vais tout essayer. Hein. Des fois je les coupe. Mais je coupais un échantillon, ça avait quand même un peu bout de ficelle. Hein, faut arrêter. Bref, si j'avais l'occasion de le trouver pas cher, oui, je l'achèterais. Mais si je le trouve bien, je la trouve bien puisque c'est une crème. Par la France, Florent, par la France. Voilà. Mais dans l'occurrence, tout de suite, non. Attendez, je vais à l'eau, je fais un peu. Alors, non, j'oublie, parce que j'ai posé à côté de moi. Deux masques papier. J'en ai encore plein. On les fait arrêter de m'en envoyer, ça sert à rien, je déteste ça. Je les utilise. Je trouve que ça n'a pas d'effet.
Moi, comme je les utilise en plusieurs fois, il en reste encore un peu là-dedans, mais bon, comme ça fait quand même 8 jours qu'il est au frigo. Donc, c'est un masque wrap, donc un masque wrap, c'est rigolo. Un masque tissu, quoi, de chez Kirines, qui est pourtant, je crois, une marque plutôt pas mal. Oh, ça bique, ça m'énerve. Mousse d'éclat, revitalise, réhydrate, hydrate et rééquilibre. Je n'achèterai pas. Je n'ai rien. De toute façon, j'achèterai pas de masque haut. De masque tissu, mais je déteste ça. Celui-ci, qui m'a été envoyé aussi. Masque coup d'éclat. J'ai rien vu. Hein. Collagéna, Goldissime. Donc la marque Collège. Pardon, mon café. Oh, c'est élégant. Donc la marque, c'est Collégéna. À l'or et de l'or. Oui, il y avait une petite paillette. Effet, aucun. Aucun intérêt. Oh, mais je suis désolée, là, j'ai évoqué, c'est très pénible. Dans la bouteille d'eau dans le coin. C'est ça, c'est bon, ok, excuse-moi. Une bouteille d'eau réutilisable, choquée. Ah, bah oui, moi, je jette rien. Bon, j'ai rien, c'est je range. Au bout d'un moment, quand même, je l'échange. Il m'est arrivé un truc une fois que je vous raconterai. Élégance quand tu nous tiens. Je vais vous raconter un truc. Un jour, je bois dans ma bouteille d'eau, qui est toujours sur mon guéridon, parce que t'es gay, guéridon. D'accord. Bon, bref. Et puis, j'arrive vers. En général, je la change 2 fois par semaine. J'arrive jamais à. Il faut pas que je la boive en entier parce que je fais pipi à longueur de temps. J'ai honte d'avoir dit ça. On salit. Tu peux tout pas. Tu fais pipi, non? Tu veux du caca? Florence, faut arrêter là. Faut arrêter vraiment. Vraiment. Excusez-moi. En plus, je bave. Bref, un jour. Parce qu'en plus, en général, j'utilise cette bouteille d'eau pour arroser mes plantes. Alors, j'arrose mes plantes 1 fois par semaine. Là, on a complètement dévié, hein, comme d'habitude. Et en arrosant une plante, je vois qu'au fond de mon eau, il y avait des trucs noirs. Mais pas du moitié, on aurait dit des lentilles. Je vous jure, on aurait dit des lentilles. Comme si des lentilles avaient poussé dans mon eau. J'ai eu envie de vomir pendant toute la journée. J'avais bu dedans, bien sûr. Bah oui. Mais bon, ça restait au fond. Mais il dirait de là, celle-ci. Mais non, je ne sais pas ce qui s'est passé. Un mystère. Peut-être qu'un jour j'ai bu, alors je mangeais des lentilles, qu'une lentille est tombée dans le. Va savoir, c'est peut-être une plantation lentille. C'est dégueu ce que je vous dis. Ah oh, bah ben, c'est la vie. Bon, ça, on s'en fout. Bon, il va y avoir plein dans le sac, c'est des perles. J'ai dû te les envoyer, Chris. Tu aurais pu t'en servir. Ici, nous avons un échantillon de parfum. Ah, moi, j'utilise tout. Angel. J'aime bien, mais moi, comme je suis. Quand je me parfume, j'en mets 3 tonnes. Il te tue. Mais j'aime beaucoup Angel. J'en ai un ou deux, d'ailleurs. Ah, non, reste pas un peu, des fois. Bon, je suis quand même parfumé avec Guerlain. Attendez, il y en a encore. Il n'y en a plus. Mais j'y arrive. Je vais utiliser ma main gauche à mon grand désespoir. Bon, il ne nous reste que des échantillons. Bah oui, moi je finis ce qui me titille. Autant, j'aime pas recevoir des échantillons. Échantillons. Parce que je trouve ça un peu. Comment je vais dire ça sans être blessante? Bon, je trouverai pas le mot. Bon, j'aime pas. Mais je les garde et je les utilise. Oui. Ah oui. Ben, quand t'es dans la dèche, mon gars, vous allez penser que je suis une miséreuse. En plus, avec mon pull complètement informe, on s'en fout. Je suis quand même une très belle boucle d'oreille. Un très, très, très vieux ce soir auquel j'ai fait un nœud parce que sinon, il descend tellement bas qu'il peut passer en dessous de mes genoux. On s'en fout, Florence. Qu'est-ce que tu racontes? Alors, ça, sérum. Révélateur de jeunesse, Algolift Perfect de chez Talion, marque que je ne connais absolument pas. J'ai beaucoup aimé, je crois que j'en avais 2, ou j'avais un truc à l'après. Oui, j'ai beaucoup aimé, c'est une espèce de sérum, me semble-t-il, gel.
Je me rappelle plus, même tous les échantillons. Comment voulez-vous que je me rappelle avec ma crevette grise dans la tête? Je me souviens plus. En tout cas, oui, j'ai bien aimé. Hop, encore un bouchon qui sauve. Donc, Talion. Je fasse une recherche sur cette marque. Talion, T-H-A-N-I-O, avec un petit truc au milieu, parce que c'est N. Talion. Vous savez que moi, je regarde pas les compos, je regarde rien de tout ça. Je suis vraiment pas une youtubeuse beauté. Moi, je suis une youtubeuse de la vie. Une, voilà, l'autre crème, Talion. Oligo Zen attitude. Crise Zen. Sérum revitalisant, confort celui-ci. J'ai pas vu la différence. Hein. Mais comment voulez-vous voir une différence sur un échantillon? Même avec mis avec parcimonie. Ouais, c'est mon pote parcimonie, moi. Ah oui, parcimonie et bout de ficelle. Oui, bien. Une crème de jour, Lift Performance de chez Valsena. Je vais y arriver. Valsena. Paris. Ça change tout. Peau mature. Une crème. Ben non, j'achèterai. Tout ce que j'ai dit sans dire que j'achèterai, c'est que j'achèterai pas. Ça va être cher en plus. Une autre flaconnette de parfum de chez cette fois-ci. Attendez, faut que j'y dans mon... L'envol de chez Cartier. Je me souviens. Bon, à quoi ça sert, je vous montre. Hein. L'envol de chez. Je me rappelle absolument pas l'odeur. Oula. J'en suis mis dans le nez, donc oula. Oui, j'aime bien. C'est du Cartier, donc. C'est très chic et élégant et fin. Bon, les gars, on a fini. Ce qui reste au fond, ce sont des perles. Il me semble que je voulais vous dire autre chose. Que voulais-je vous dire? Non, 22 minutes, ça suffit, hein, de toute façon. Bon, ben, c'est tout, voilà. Bon, ben, je vous aime, je vous embrasse. Excusez-moi pour la vidéo d'hier, des maquillages, la routine du soir, qui était... Le son était épouvantable, puisque ça résonnait dans la salle de bain. Il n'y a qu'une étagère pour meubler. Et puis, je pense que la couleur, comment on dit, la luminosité, merci, youtubeuse, les vraies youtubeuses, était pourrie aussi. Mais j'ai fait ce que j'ai pu, j'ai rajouté un spot, mais c'était pas bon. Mais bon, écoutez, vous avez vu l'essentiel, de toute façon, vous avez vu moi comment je suis, moi, je pense. J'avais honte en regardant la vidéo. J'avais honte en regardant la vidéo, je me suis dit, c'était pas si grosse quand même. Oh, vu de dos, c'est une catastrophe. Tant pis, j'ai mis en ligne, mais et alors? Faut arrêter les filles qui mettent des nuisettes pour faire leur revue, routine du soir, avec une salle de bain, illuminer des fleurs, des flacons de parfum. Ben non, moi c'est pas comme ça la vraie vie, désolé. Bon, ça vous plaît, ça vous plaît pas, tant pis. Mais je sais que les fidèles, ça vous plaît. Ouais. Parce qu'en fait, c'est comme chez vous, hein? Voilà. Sinon? Ça fait plusieurs jours qu'il fait un temps pourri. Ça me déprime. Alors je reste gay parce que je me dis que être triste n'y change rien. Entre le temps pourri, mes problèmes de finances, mon fils qui part en couille, je viens d'ailleurs. Je suis fatigué, j'en ai marre. Mais bon, c'est pas grave. La vie continue. Sur ce, je vous embrasse, je vous aime, je vous adore. Vous êtes mon... là, je sens le quartier. Ouais, non, attends. Sentir quartier, c'est quand même pas rien. Hein? On est d'accord. Bon, sur ce, je vous embrasse. Salut. Vivement printemps.